Depuis longtemps, je me demandais d'où viennent les bonnes idées. Elles naissent principalement de brainstorming. C'est quoi un brainstorming ? Un brainstorming, c'est une tempête d'idées, sous forme d'une réunion de groupe, mettant des idées en commun. C'est fait pour résoudre créativement des problèmes. Pour quelle raison faire un brainstorming ? On peut faire un brainstorming pour de nombreuses raisons. Un projet, un problème, une amélioration par exemple. Avant de commencer un brainstorming, assurez-vous d'avoir un animateur, un paperboard, un sujet, un temps imparti, une secrétaire, un groupe, idéalement de 6 à 8 personnes, et des idées. Et dans tout ça, quel est le rôle de l'animateur ? L'animateur doit rebondir sur les idées des participants. Il n'est pas là pour donner son avis, il doit cadrer les échanges et s'assurer du respect du temps. Mais comment générer des idées ? Tout d'abord, il faut respecter certaines règles. Ne pas critiquer les idées émises, ne pas donner de limites à la créativité et rebondir sur les idées des autres. Il existe différentes méthodes pour brainstormer. Parmi elles, la méthode spontanée. Chaque participant dit ses idées. Mais faire attention, les plus timides ne parleront pas. La méthode du tour de table. Chacun à leur tour, les participants donnent leurs idées. La méthode de la circulation d'idées. En partant d'une idée, chacun inscrit sur une feuille ce à quoi lui fait penser la première idée. La méthode des post-it. Classer les idées par thème. La méthode des 6 chapeaux. Chaque personne se voit attribuer une couleur de chapeau. À chaque couleur, une caractéristique. Attention aux erreurs à ne pas commettre. Se réunir sans but précis, ne pas définir de sujet, ne pas avoir un secrétaire et un animateur, et avoir une taille de groupe inadéquate. Et après, que faire de ces idées ? Il faut les organiser et les hiérarchiser. Il faut choisir les meilleures idées, les mettre en relation et enfin les structurer.